qu'on a dit et quoi s'aimer méprisable là ça la fait référence la fait référence à qu'on naturel non alors mais ça me doit pas le dire mais ça me doit pas le dire gen moun qui mal interprété résurrection et qui défaite dans Matthieu 27 verset 51 donc ça c'est une meilleur portrait pour nous expliquer la résurrection. Les saints de l'Ancien Testament qui étaient ressuscités, pas oublier ça, Moïse mourut à 120 ans. Et David mourut, il y en a un coton remetté, je le bat même qu'à ouais. Isaac, t'es tellement grand monde. Les Jacob vin voler et bénédiction Esaïe hein, c'est voile tendé mais le baka ouais qui moun ki en face li a li di voir c'est voir Jacob mais pour yet la peau c'est pour Esaïe li. OK, à la résurrection, dans la résurrection Matthieu 27 là, comment ça t'est fait? Dieu ba yo chaque yon corps. Il n'y a pas ressuscité avec quoi, il a gagné. Moïse va te lever pour des jeunes garçons pour Kimbil pour marcher avec lui. David va te ressusciter et puis pour des jeunes monde soutenir parce que le grand monde ne va pas marcher. Non, tout le monde qui a ressuscité, Dieu a bord, il y a encore pour ressusciter. Que mon Dieu béni. Donc, Paul dit comme ça. Et. Alors, il retourne back en Adam encore. Il dit, c'est pourquoi il est décrit le premier homme, Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est Jésus. Le mot Adam signifie papa de toute vie. Donc, ça fait Jésus est le deuxième ou dernier Adam parce que de la nouvelle naissance qu'on y a là, Jésus vient papa. Allô? De la nouvelle naissance, Jésus vient papa. Bon? Donc, c'est le Père de la vie éternelle. Ça fait dans Isaïe, chapitre 5, là, lorsque il relève Jésus fils, et puis il relève Père aussi. Dans Malachi, il dit qu'il a envoyé Élie pour Élie ramener le cœur des pères à les enfants, le cœur des enfants à les pères. Père, ça, c'était Jésus. Qui c'est le Père de la vie éternelle. Tout le monde qui naît de nouveau, Jésus c'est pas pauvre. Il n'est pas seulement frère, lui c'est pas pauvre. Ça fait Paul dit on va héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Levez-moi pour ça. Remerciez le Seigneur pour ça. Amen. Donc on va recevoir des bénédictions parce que Jésus c'est le Père de la vie éternelle. C'est lui qui papa nomme nous. Amen. Donc, là, non, on est de nouveau. OK, pasteur. Est-ce que la résurrection a toujours? Non, nous avons. Je plus une question sur la résurrection. Non, nous avons une question. Nous avons une question là encore. Oui, c'est là. Dès avant, pasteur. Dès avant. Alors, c'est. Oui, toujours dans la résurrection. Nous avons vraiment apprécié le sujet. Merci. Il y a un espace. Moun ki fait venir nan kwa attendez ça que t'ai dit avant et moun ki la longtemps retendre et si gon bagay ki ka ajouté en plus pour nous tout prendre ensemble. Yes, alors son déclaration sont fait concernant ou dit si pasteur a pas sauvé fidèle la ka sauvé. Normalement, je ne peux pas comprendre ni comme ça. La raison pour ne pas comprendre ni comme ça, c'est parce que pour gagner perfection, il faut un modèle de perfection. Perfection, moi, ce n'est pas lever un jour pour atteindre perfection. Mais tout en ligne, c'est parler dans vos mains à ceux qui parlent à persévérance, à bien faire. Cherche l'honneur,
la gloire et l'immortalité. Dans Genèse, il parlait de chaque espèce produit espèce. S'il arrive que, avant de dire ça, normalement, un ministre a pensé nous assembler pour une période de temps, l'esprit lui ouvre l'assemblée. Pas besoin de voir directement. Frère Pierrot passe d'Elma. Moi, ouais, à travers Frère Pierrot. Et seulement campé, je prends ça, moi, comprendre qu'ils sont enseignés à New York. Parce que les héritiers de l'esprit. Pour y a la question maintenant, est-ce que malgré pasteur a injecté ça dans le fidèle là, fidèle là qu'a sauvé puis pour pasteur va sauver lui-même. OK. Merci. Yeah, nous enseigner ça encore que nous pas quoi Jean organisation dit que même lever l'église tout fidèle là qui doit sauver pasteur pas sauver. OK. Nous enseigner que pasteur c'est un c'est lui qui dirigeant, c'est lui qui berger. Comprenez? Donc mais ceux qui n'ont assemblé la carou, c'est pas eux même qui a perfectionné son ministère qui a perfectionné. Donc Paul dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints. Donc m'a dit ça puisque nous avons pile pasteur là, nous avons pile fidèle, nous avons pile pasteur là. Donc grand pile saint qui n'a encore qui n'a pas jamais qu'à sauver. Il va jamais qu'à faire l'épouse de Christ parce que assemblée qui va appartenir son assemblée sectaire qu'elle est. Il a pas accès à cinq ministères. Pasteur a pas gain cinq offices là. Mais il réclamait que c'est lui seul qui a perfectionné le monde. Dans l'église, quand je dis, n'importe qui dit non ça, peut-être lui chaud. Je dis, l'église, dans l'Iskara 28 ans, ils sont partis de corps. Et pour cette raison, je suis content qu'il y ait l'autre ministre qui vient, je suis allé prêcher parce que il y a un ministre qui doit prêcher des choses que moi, je ne peux pas prêcher comme ça. M'pa gen onction ça. Bon? Donc tandis que l'église a besoin. Donc c'est pas yon ministre qui a perfectionné saint mais son ministère qui a perfectionné saint. Bon? Son ministère des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Chaque assemblée dans le corps de Christ doit une porte ouverte aux cinq offices du ministère. Pour saint, il y a une chance, et pas seulement ou même pour le tendre, pour le tendre l'autre ministre, pour combler vide que ou même ou dit pas ou pas qu'à combler pour lui, on l'autre monde pour venir pour combler. C'est ça. Merci, non, dis trop amen. c'est ça qui. C'est ça qui ministère qu'on Christ là. Excusez-moi. C'est ça qui ministère qu'on Christ là. Dans souli Éphésiens chapitre 4 là, Paul explique lui dit lui bail ministère pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour l'éducation du corps de Jésus-Christ. Dans Corinthiens 12 là, dans verset 4 là, lui dit comme ça il y a des dons différents. Il y a des gens qui ont don de sagesse, il y a des gens qui ont don de révélation, il y a des gens qui ont don d'enseignement, etc. Vous comprenez? Il dit, tout don ça, l'Esprit de Dieu, bail pour le perfectionnement saint dans le corps. Donc, de sorte que, oui, il y a un saint qui nous a assemblé, il est capable de gagner une partie de l'Esprit ministre. Mais aucun ministre, puis met en tête où, c'est où celle qui a perfectionné saint hein, pour l'épouse de Christ. C'est pas ça que la Bible a dit.
il y a un ministère. Il y a un ministère. Vous comprenez? Même moi-même, il y a un pile bagaille, me fait m'enseigner et pas dans ciel bon Dieu, au bon moi. Son l'autre pasteur m'entendé, son l'autre professeur m'entendé, son l'autre docteur m'entendé, son l'autre prophète m'entendé. Et puis m'entendé son vérité li bail et puis qu'on a me paraît me porter l'aller. Moi d'a porter enseignement parce que gracieuse dans assemblée moi. Donc me porter dans cabaret moi, mais c'est pas gracieuse qui enseigne lui. On prend donc on est là, c'est comme si c'est pas gracieuse qui injecté message ça. Non, Saint. Donc, ce n'est pas un ministre. C'est un ministère. C'est ça de faire. Raison de faire, me dit ça. C'est clair. Si vous acceptez tant de messages, répétez-le. J'entends-le là, dans les oreilles saint. Et puis, vous-même, vous ne mettez pas en pratique, saint à atteindre perfection. Parce que ça, c'est le message du corps de Jésus-Christ à travers cinq ministères. Et pas message où lire. Et pas message où lire. C'est le message qui sortit en bas ministère corps. Qui délivré au sein du corps de Jésus-Christ. Message là a aidé, levé, dans la session, mettre dans le niveau que bon Dieu voulait. Donc, mais ou même. Sous pas, sous deal ou pas faire. Le Seigneur n'est pas obligé de sauver parce que c'est pasteur. Ok, pasteur. Pasteur Credo avant, je ne sais pas si c'est la bonne seconde avant, mais l'avant. Pasteur Credo avant. All right, merci. Merci. Oh! Ah! Laissez-moi. Vous êtes loin, hein? En nous voyons. Ah. Non, il faut respirer. Normalement, on doit s'en penser. D'accord, on est parti dans sa pasteur du que je passe du puits. D'accord, on est parti dans son dire. Raison c'est que il dit comment pasteur a perdu et puis saint. Je prends un exemple qui fait passer semaine ça. Pour mon tour, je suis d'accord avec non point. Je suis un pasteur qui a l'ambassade, même dans la loi naturelle, ça va arriver. Là, aller avec un interprète. Tout le monde veut un lettre bali, ils font un lettre interprète là. Ils vont le prêcher, interprète à l'interprète pour lui. Voilà que je parle. Il vient interprète la balle. Si la balle interprète la visa, il n'y a pas de pasteur. C'est marrant, c'est drôle. Hein? Semaine ça. Donc, pour vous dire que maintenant, c'est possible. Mais ça que je voulais comprendre, quand je suis d'accord avec ça, c'est ça qu'a essayé de pratiquer principe et l'autre corps. Parce que là, dans la convention, il est de l'autre ministre. Parce que tout ça, nous dit là, même, il y a un pasteur là, je connais, qui n'a jamais eu problème avec l'autre pasteur pour saint. Il y a un pasteur là, je connais, qui est saint, qui est débattu l'autre assemblée, ça n'a jamais eu de problème. Et, ça va fonctionner. Maintenant, moi, je pense que c'est ça, ou t'as qu'à dire, non, est-ce que dans la dimension avancement spirituel, le Seigneur, pasteur, ça n'a pas sauvé. Et c'est pas une façon pour lui jouer nos modus operandi l'aller en bas en l'autre ministère parce que nous avons des gens qui ont traversé. Anyway, moyennant que transfert la fête dans l'autre. Parce que ça nous dit dans la religion. Nous dit dans la religion que les gens dans la religion qui ont fait l'épouse. Mais ce n'est pas parce qu'il a prêté en bas pasteur religion, non. C'est parce qu'il prend le temps de vérité, l'a sorti, l'a vinchita, l'a tendé. Vérité, on va essayer pour perfectionner. C'est ça nous prêcher. Donc, maintenant encore à tout, est-ce que c'est ça? Pasteur Dubuca, tombé d'accord. Nous tombé d'accord avec elle. S'il était là tout le temps, pour la simple bonne raison, qu'on question d'attitude. Parce que les pasteurs ou du secteur, son gros modèle, ça fait un verre ouf. Parce que son gros modèle, et c'est vrai.
si pas ça continue injecter penser secteur sectariste dans César toute la journée maintenant la bouleverser César attitude la mettre dans César qu'a empêcher le sauver. Donc je pense que c'est pas un mot disopéranti dans corps suivant principe pour César peut-être aller tomber en bas on l'autre ministre moyen qu'il fait dans l'ordre pour que perfectionnement continue. Donc c'est ça contingent. OK. Qui me dit ça pour nous-mêmes. On l'a dit dans une réunion et puis il y a une discussion comme ça. Et puis il y a un ministre qui dit comme ça, est-ce que vous pensez que les apôtres ont refait tout ça Judas t'a fait avant de vendre Jésus. Tout ça Judas t'a fait avant de te vendre Jésus. Tout est fait dans l'ordre, tout est fait dans la discipline. Nous avons un ministre, nous avons un grand ministre, ni haïtien, ni américain, qui est dans le corps, qui est un grand ministre, qui a enseigné l'ordre et le principe du corps. Nous avons un peu de monde qui mourit en bas du ministère. Le monde a recevé une meilleure résurrection. Tandis que même avant de mourir, il a chuté et quitté le corps. Donc, bon Dieu juge éternellement. Donc, oui, c'est ton fidèle, c'était fidèle yo, qui te recevait un message là, à travers eux-mêmes, qui qualifiait soit pour nouvelle terre ou pour l'épouse, tandis que eux-mêmes, ils ont le droit seulement résister pour la honte éternelle. Donc, bon Dieu capable de faire n'importe quel genre. Il n'est pas obligé, Saint n'est pas obligé de quitter le ministre pour la lambeau, l'autre ministre. Mais si le ministre met en pratique, c'est ça, Bible. Paul dit comme ça, on lit, guidez-moi le verset ça, comme un clé, verset pour nous. C'est 1 Corinthiens, côté Paul dit, 1 Corinthiens 9, merci. 1 Corinthiens 9. Quand il dit, je traite du mal mon corps. Verset 24, pas vrai? Verset 27. Mais je traite durement mon corps. Ok, attendez ça. Dans comme c'est dans verset 24 là. C'est l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15, oh sorry, 1 Corinthiens 9, 9, verset 24. Dit, Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix. Nous avons une fois, nous interprétons comme organisation avec l'école de Christ. Quelquefois, il est bon. Mais des fois, c'est pour nous enseigner comme entier corps. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le corps qui a fait l'épouse de Christ. Et pour nous interpréter le concert. Il dit courir de manière à aller remporter. On prend, il dit, verset 25, il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, il dit faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Qu'on a dit, moi, l'apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battre en l'air. Ce n'est pas exercice physique pour faire encore. Dans le monde, le message, c'est gymnastique. Il y a fait encore. Répéter parole, quoi. Mais en dedans, eux-mêmes, il n'y a aucun vicaire de Christ. Même si c'est pasteur, même si c'est apôtre, même si c'est prophète, même si c'est docteur, ça ne peut pas être rien. Moi, je dis la caille, ce qu'on connaît, hein, c'est ce qu'on met en pratique, et pas ce qu'on répète. Ce qu'on répète, son connaissance liée. Mais ce qu'on pratique, son compréhension qui est liée. Donc, le Seigneur bénit nous pour ce qu'on met en pratique, et pas pour ce qu'on dit dans la bouche.
Paul dit comme ça, moi je cours, non pas comme à l'aventure je frappe, non comme bat dans l'air. Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous avez prêché, vous avez sauvé et puis vous-même vous rejeté. Parce que vous pas sans prêcher, vous pas mettre en pratique. Donc vous rejeté parce que vous pas mettre ça au prêché en pratique. Et ça fait Paul, il a écrit lettre, ou a besoin ni à Tite, ni à Timothée. Il dit soyez sûr que vous êtes un modèle. Allô? Soyez sûr que vous êtes un modèle. Ou besoin propre à l'enseignement. Les autres ou propre à l'enseignement, ça veut dire soit enseigner ou vivre de lui-même. Bon, gen moun gen doit apprécier mon message, après ça, on va tout fidèle dans ton béri. Parce que c'est une blague, parce que c'est un bail. Yo connais, yo connais vie. Et pour quand vous souchez à Kounia, vous avez grené Jibret. C'est moi seulement qui vous dis. Vous supposez yon verso qui propre, et puis qui gagne yon breuvage qui propre là-dedans. Une fois que breuve là il doit bon, vous entendez ça comment il interprète dans l'Apocalypse, il dit comme ça et comment il dit femme là qui en coupe en or mais il rempli avec abomination. Donc au même tout, au grand droit son coupe en or qui rempli avec abomination tout. Paul dit dans une grande maison pas seulement gain verso d'honneur mais il gain verso à déshonneur aussi. Hein? Il dit qu'il y a un vaisseau qui fait en terre, il y a un vaisseau qui fait en bois, il y a un vaisseau qui fait en argent. Il dit les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Donc, ou même qui pasteur qui a prêché, ou grand double responsabilité. Ou pas seulement responsable pour même pour sauver. Pour sauver mon ou responsable pour sauver des autres. Paul dit que bon verset ça. Côté Paul dit ça après avoir prêché aux autres, Timothée combien? Timothée 4, pas vrai? OK, on a là-dedans. Timothée 4 16. Déclare ces choses. Côté appelé d'aller. 4 16, je me veille. Verset 16, vous n'allez. Ok. Timothée 4, 16. Sorry, le verset 14 là avant. Qu'est-ce qu'il a appelé? Verset 14 là, ok. Verset 14 là dit comme ça. Paul a parlé avec Timothée. Ne néglige pas le don qui est en droit et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc, songez bien, pas qu'à pasteur, sans qu'on ait un ancien qui te pose main sous même ou assemblée des anciens, pose main sous. C'est pas ça, ou son faux pasteur dans le corps. C'est sous la fenêtre ou passer, ou pasteur. Il faut passer par la porte pour un vrai pasteur dans le corps. On a dit Timothée, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Avec les progrès, soit évident pour tous. Et pas pour tête ou seulement. Pour tous. Et puis, dans les saldi, verset 16, et puis il dit, veillez sur toi-même. Et si ton enseignement persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Pasteur, faut sauver tête ou tabou. Parole la douée. Appliquer la caillou d'abord, puis au sein. Ouais, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Bon? Donc, si vous ne mettez pas en pratique, vous ne pouvez pas sauver tes dos. Bon?
Donc, vous avez sauvé les gens qui sont captants d'eau, et vous n'avez pas sauvé les gens. Ok, qui donne bon pasteur? Oh, bah la belle, pasteur. Merci, Seigneur. Rale qui est moi, elle est arrivée. Pas besoin de question, encore elle est arrivée. Moi-même, c'est un petit aller-retour après là. Pardon? Un petit aller-venir après. Ok. Parce que nous avons mené un délai qui est très bon. Pour une résurrection en plus, c'est justement sur fidèle et pasteur. Qui est très bon, très bon. Si un pasteur qui est saigné, ou est-ce qu'on se regarde en équipe de la caille. Okay. Et puis, il a quitté l'église, pasteur. Il est venu, on m'a aucun béo là. Parce qu'on connaît, on connaît ses cinq croix, oui. Maintenant qu'on a obtenu un pasteur à venir. Donc, le pasteur à venir, on a écrit l'eau, il nous mettait au dehors. Pas qu'un béo, allez, mettez au dehors. Pour moi, je prends le soin, je me dis, ces cinq croix, nous reconnaissons. Si vous avez un problème, il y a là, pas qu'un problème. Nous, chita, regardez qui sa problème là. Après ça, nous avons mené, nous avons assemblé. Et puis, ou même seul bagage, ou aller plus chasse, plus sage envers eux, pas battre pour vous faire venir, pour vous capable d'ajuster dans la place, c'est un problème. On dit, je ne vais pas attendre, je ne vais pas chiter avec. Ok? Pour y a, qui ça nous a fait avec ces gens? Ok. Est-ce que tout le monde a des questions, pasteur? Claude. Ok. Donc, de voir un pasteur, c'est. Si on s'est sorti dans l'assemblée, ou fait face à collègue ou qu'on est que. Pardon? Ok, il y a un groupe de saints. Sorti dans l'assemblée, là, dans l'autre assemblée, des voix pasteur, c'est les pasteurs local là, pour dire comme ça, il y a un groupe. Non. Non, lui dit pasteur a dit météo dehors. Pasteur a dit météo dehors. Non, pasteur a pas là. Passé à Batla, oui. Jean le dit, hein? Passé à Batla, les passés à venir, les communiquer à pasteur, fait qu'on est que bien aimé ça, la caille. Passé à dire le météo dehors. Donc, aucun pasteur, pas qu'un droit, dis l'autre pasteur, mettez mon dehors dans l'assemblée. Mais c'est la raison où il y a pour dire, un pasteur, tel monde à la caille, mettez-le dehors. Je parle tout le monde à la caille. Je dis, sous fond des ordres dans l'assemblée, mettez-le. Sous discipline. Pour un an, ou bien pour une discipline dans l'assemblée. Ou pas qu'à sauver, ou allons dans l'assemblée. Dans n'importe l'assemblée où aller, ma persécuté pasteur. C'est la seule raison que je persécute un pasteur. Sous pour un saint, la caïman. Depuis que je mets ton saint sous discipline, il suppose chita pour prendre discipline dans l'assemblée. L'elle finit, s'il voulait demander un transfert, ma balle transfert, ma voix dans notre assemblée. Mais on doit prendre discipline dans l'assemblée locale, côté hier. Dernière fois, je me suis dit, et une famille qui vient la caille, et puis, les mouris les pasteurs, pasteur a dit, mais telle raison, qui a quitté, bagaille ça, l'idée de monsieur sous discipline. Bagaille pour monsieur Bachit a souché encore, le mettre là en bas. Et donc, fois, monsieur souffre de discipline. Je dis, ok, je dis, le pasteur m'a souffert de discipline. Je dis, combien de temps il y a de lui? Je dis, monsieur, 6 mois, c'est seulement 3 mois, monsieur prend. Je dis, pas seulement 3 mois, seulement la fête en bas, dans l'assemblée, non? La fête jusqu'à ce que moi, ouais, il est prêt pour le monter cher, la caille. Et pas seulement 3 mois là seulement. Nous disons d'accord, la chita dans l'assemblée pour le payer et peine, punition qu'elle gagne de la part de vous-même. Puisqu'on dit, vous l'avez mon dans lui-même, mettre dégager avec lui. Donc après ça, moi-même, va ouais qu'il est possible pour lui pour le sortir en bas, pour le monter cher. Donc après 1 an et quelques mois, donc, finalement, je dis bien aimé, bien formé ça avec nous. Quelques jours, mes places qui ont été occupées dans l'assemblée côté côté. Donc, on y a là, je me sens l'île pour nous honorer et sous plateforme, non? Parce que je suis censé faire tout ça, je dis au fait. Donc, levez.
dans l'assemblée. Donc, si un saint quitte une assemblée en désordre, en bas punition, donc c'est celle raison qu'on pasteur d'où pas qu'à recevoir. Pas qu'à recevoir parce que lui en désordre. Il y a un monde qui en désordre, disposé à accepter discipline. Donc, si un groupe monde qui quitte l'assemblée, meilleure façon de faire, pasteur Arello, c'est pour d'accord ou achite ensemble avec lui. On n'a géré le problème. Non, non, des pasteurs qui nous achètent ensemble, nous avons des saints, et puis ils ont bâillé l'autre conseil. C'est incapable de retourner dans l'assemblée. Vous comprenez? Donc, ou pas qu'à seulement arrêter pour dire, mettez-vous dehors. Donc, vous pouvez vous dire, ou pas qu'être vacabon, il va convertir. Souvelez pour vous mettre. Tout ce vacabon, il n'y a pas qu'un qui convertit. Je dis, je prends chance avec vous, puisque vacabon, vous comprenez? Donc, je prends chance avec vacabon. Même quelqu'un qui est avec moi pour 30 ans, je ne vais pas me quitter. Ne va pas bon. Il y a un vacabon ça avec moi pour 30 ans. Ouais, ouais. Mais parce que je ne sais pas quel vacabon il va convertir. Donc, je mets pour un. Je dis, ok, je prends chance avec vous. Puisque vous avez une permission pour prendre chance avec vous, je prends chance. Non, alors, pasteur a dit que l'autre pasteur a dit le bon mettez mon yo dehors. Donc, alors, meilleure façon de passer le travail, c'est que y a un groupe fidèle qui dit que pasteur Préval, Livine Capacité, Siméon, parce que Siméon fait pasteur Préval comme ça. Donc, on y est là, dinapchit ensemble pour nous gérer ça. Pasteur Gan. Pour nous gérer ça, deux pasteurs doivent chiter ensemble pour gérer ça. Attends, excusez-moi. Si pasteur n'est pas d'accord pour le chita avec vous, relez les anciens. Qui puis anciens pasteurs, et puis exposez ça. Aux anciens, et puis laisser les anciens gérer ça. Nous faisons ça, nous allons dans l'assemblée régionale, zone 1. Parce qu'on a déclaré frère, le pape tendé, Seigneur. Et Seigneur, il y a pile d'avance qu'il a fait. Est-ce que moi-même, en tant que monde qui compte quelque bagaille, il dit, est-ce que nous ne sommes pas supposés mener une enquête pour connaître si ça a dit, qu'il a fondé la donne? Bon, les ministres de la zone, ils ont caché ensemble pour attendre, comment on dit ça encore, et complète, saint, et puis ils sont capables de porter un jugement sur ça. Vous bon? Ok, merci. Ma fini avec. Les ministres de la zone. Les femmes finissent avec. Hmm? N'a pas tourné dans la résurrection. Pardon? N'a pas tourné dans la résurrection pour me dire ça, me dire. Ok. C'est de l'el qui a mené. Ou a dit un bagage sur ça? Yeah. Non, non. Parce que vous êtes fidèle à le jeune l'autre pasteur, non? Sous résurrection, oui? Résurrection. Vous êtes fidèle à le jeune l'autre pasteur. Il y a une question sous résurrection. Résurrection. Il y a une question sous résurrection. Non. Non, verset 47, là. Oh. Ah, oui. Moi-même, qui t'aime fin de pas. Après ça, on va. Il est biblique, pas de problème. C'est le bas, MBBT. Ok. Allez. Pasteur a conseillé sur la résurrection matin, mais nous gagnons un conseil dans le même sujet, ça, un conseil de textes que un peu le prédicateur a répété, mais nous avons besoin de petits ajustements là-dedans, petits serrés, petits desserrés. Et vous dites, il y a eu qu'on dit longtemps, l'homme moun mourit, pied l'on côté, pour être l'on côté, il y a tant pour moun nan réformé. Nous connaissons ça, ce n'est pas bagaille physique liée. Mais est-ce que nous n'avons rien à revoir avec quoi nous? Est-ce que vous croyez dans l'incinération? Bon, je ne vais pas discuter de ça parce que j'ai une question sur ça personnellement. Parce que actuellement, nous avons un ministre encore qui a fait un crime nation, qui a boulé le corps. Et donc, plusieurs ministres m'ont posé une question sur ça. Je dis que je ne vais pas croire dans ça. Donc, ah, peut-être non, son bagage pour nous discuter dans la réunion ministre sur ça, en ce qui concerne les ministres qui ont fait bouler koyo et les gens qui croient dans bouler koyo. Qui raison de faire yo quoi ça? Qui ça te pousse à faire ça?
pas ta souhaité que nous même dans les corps de Christ. Nous même dans les corps de Christ. M'a pas accepté pour moi un ministre dans corps Christ accepter travail ça. Il pas biblique. Pour les chrétiens du corps de Christ, cela n'est pas biblique. Pas prêter m'a l'autre là. Quoi ça tout? Un pile ministre qui quoi comme ça mais et son bail pour nous discuter dans une réunion des ministres aux États-Unis sur ça. L'autre yeah. Là. Dans l'Apocalypse 20 verset 13 là. Interpréter verset ça pour moi. Nom qui était pas Joseph là. Pasteur a dit n'a tourner sous lui. Apocalypse chapitre 20 verset 13. Oui. On a là donné. Après ça m'ba où pasteur traduit et interprété. Ok. Pour mieux comprendre, verset 13 là, il faut nous commencer avec verset 11 là. Jean, Apocalypse chapitre 20, verset 11. Jean dit : puis je vis un grand trône blanc. Et c'est lui qui était assis dessus, dit la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc ça a parlé pendant le règne millénaire. Le grand trône blanc, c'est blanc typifié perfection, la justice, la droiture. Le grand trône blanc, c'est un ministère. Jésus à la tête li avec 144 000 parfaits. Nous avons fait le blanc, c'est parce que c'est un ministère parfait, li va y. Ni ministère des apôtres, ni ministère pas nous, hein, nous qu'a fait erreur sans nous pas connaître. Mais dans ministère ça pendant 1000 ans, pas gain aucun erreur là-dedans. C'est 144 000 parfaits qui ont gouverné et régné avec Christ pendant 1000 ans. Et ça fait relève, en d'autres termes, au lieu du trône blanc, on dit un gouvernement parfait. Un gouvernement blanc, qui veut dire un gouvernement parfait. Donc, Jean dit c'est ça, loué. Et puis, excusez-moi. Notez dans verset 11, pas vrai? Il dit la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. La terre ici révélait le monde religieux qui paraît recevoir Saint-Esprit. Le ciel révélé nous-mêmes dans le corps qui recevoir Saint-Esprit avec les pentecôtistes qui recevoir Saint-Esprit. Représenter le ciel. Ciel, ça l'a parlé, premier ciel là. Premier ciel là. Donc, et il va ka une place yo parce que pas gain temps pas gain paquet de repentance et j'en ont gain dans premier ciel n'a fait va et vient du premier ciel à deuxième ciel nous pas capable faire ça encore pendant 1000 ans va gain un siège en deuxième ciel là va 24 sur 24 à fonctionner avec l'épouse et les saints. Et Jésus avec l'épouse, les 144 000. Et puis sous direction, et 144 000 juifs naturels aussi. Quand on a dit la mer, écoutez mieux, je saute un verset, pas vrai? Verset 12. Il dit, j'ai vu les morts, les grands et les petits qui s'éteignent devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, ce n'est pas. Dans la résurrection, il y a là. Dans la résurrection, il y a. Alors, ou pas quand c'est résurrection sans que les va tomber dans le jugement. On va rester jugement sans qu'on va entrer dans la résurrection.
Oui, faut mêler. Bon, donc, ok. Normalement, faut ressusciter pour aller là. C'est ça le fait. Parce qu'il a posé question. Donc, lorsqu'elle dit, Lydie, la mort, les grands et les petits s'éteignent devant le trône. Donc, non, connaît trône ça. Ça, c'est gouvernement divin pendant 1000 ans. On prend livre qui ouvert, c'est pas même genre avec système protestant dit nous va camper devant toi bon Dieu, y a de nos monde, c'est pas ça qu'a fait. Donc ça c'est un principe spirituel qui a fait vie ou pas le déclarer. On prend et lui dit la mer rendit les morts qui étaient dans elle. Donc la mer en pile fois nous traduit la mer comme le monde impie. On prend mais le pasteur Saldeuse l'était mélangé le monde impie avec l'église catholique. Il te fait au fond seul. Il dit ça te fait et ça te fait. Il dit la mort rendit les morts qui étaient donnés. C'est parce que l'église catholique font seul faisceau avec le monde impie. Donc les âmes qui étaient dans l'église catholique, y a bien pour aller dans le jugement. Comprends? Donc et puis il dit comme ça, la mort et les séjours des morts rendit les morts. Qui est dans l'année, ça c'est protestant, système protestantiste là. Bon, mon qui était, et après le chapitre 6 là, il dit mon qui monte cheval, c'est cheval non, pas vrai, il dit qu'on balance, non mais mon qui monte là, il est la mort et le séjour de mort accompagne. Donc ça c'est système protestantiste là, mon qui a ressuscité, dans le système protestantiste là qui va faire face avec le règne millénaire. Donc, et en plus, mon pas quoi ça? Mais la majorité de nous-mêmes dans le Coran, nous croyons ça. Nous croyons qu'il y a plusieurs résurrections qui prennent place pendant le règne millénaire. Pas vrai, Pasteur Cassius? Il y a plusieurs résurrections qui prennent place. Il y a des gens qui vont croire, moi-même toujours croire, Pasteur Nick te croire, Pasteur Saldus te croire, Pasteur Cassius croire, Pasteur Leniger te croire, moi-même toujours croire jusqu'à présent. Donc, il y a plusieurs résurrections qui prennent place pendant le règne millénaire. Donc, la mort. La mer apprend les morts, c'est les gens qui sont dans l'église catholique. La mort est le jour des morts, c'est les gens qui sont morts dans le protestant. Donc tout le monde a ressuscité. Et puis il dit chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors, pasteur Simeon Dab dit est-ce que c'est dans la résurrection ou dans le jugement? Ou pas commencer la résurrection sans qu'on pas toucher le jugement éternel? Ou pas commencer le jugement éternel? Sans expliquer la résurrection. Donc, il a fait entre sortir entre, et spécialement entre deux sujets. Ils ont entrelacé l'un avec l'autre. Et puis, dit comme ça, la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. Et puis, il dit, c'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Donc ça c'est et ça le jugement du trône blanc dernier jugement. Mettez-moi quoi dans bouche. Période ça dans Gog et Magog. Non, après et ça c'est pendant le règne millénaire ça a fait. Okay. Donc l'a terminé. L'a terminé avec Gog et Magog. L'a terminé avec Gog et Magog. L'a terminé avec Gog et Magog. Moi clair sur question hein. Bon, on seul bagaille ou dit moi là ou ben moi deux gagne une interprétation sur la mort et le séjour des morts. Oui. Qui ou ben moi pour le monde protestant et le monde catholique. Or est-ce qu'on croit tout? Non non. En premier hein, le dit les morts il va rendre ça qui est la mer. C'est la mer, c'est pas la mort. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, pasteur Saldeuse avec pasteur Nick, ils ont combiné le monde impie. Le plus souvent, on dit le monde impie n'a pas de résurrection. Vous comprenez? Alors, ça fait moi répéter ça. Le plus souvent, on dit le monde impie n'a pas de résurrection. Mais pasteur et Saldeuse avec pasteur Nick, ils ont combiné le monde inconverti avec l'église catholique comme la mer. Et le séjour des morts. Alors, il y a un ministre, alors, et ça me dit, séjour des morts, c'est l'ex-protestant. C'est là qui baille, combinaison qui baille la mer.
non, 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 non. Ça a aidé bagaille. Expliquez des bagailles là. Expliquez des bagailles. On aurait lu verset encore. Verset 13. Lit la mer rendit les morts qui étaient en elle. Ça, c'est une entité. Oui, le séjour des morts. Qu'on a dit la mort. Et le séjour, et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Ça et puis il dit, yo tout, yo jugé selon Zev, yo. La, qui ça, qui ça qui la mort là? Qui ça qui la mort et le séjour des morts? Moi, je dis, si c'est un mot de sentis là. Oui. Non, qu'est-ce qui peut? Il avait notre traduit. Notre traduit et alors si, excusez-moi, alors là nous avons interprété après chapitre 6, nous interprétons avec plus de pasteur Emile, pasteur Emile qui était pasteur, qui était pasteur, pardon, pasteur, pasteur Oga qui t'a parlé son question, le déposer m'a répondre. Non, pas de problème, non. Et je dis même chita, mais même pas bon bagage, besoin barrette, besoin mettez pour moi là. Eh ben quittez le fin expliquer, quittez le fin expliquer la mort. Fin parler. Alors il t'a pas expliqué la mort et le séjour des morts, t'as placé son bagage. Moi j'ai trois entités là, la mer, la mort et le séjour des morts. Maintenant qu'on y a qui ça me besoin, même tout jour ça m'a dit. Est-ce que nous prenons le séjour des morts ou côté le dit le séjour des morts, la et non cheval, non cheval là. Yeah, après chapitre 6. Quand elle dit, là, non, nous prenons, quand elle dit, cheval, la blanc, il parle, la mort, montez-le, et puis c'est juste des morts accompagnés. Nous avons gagné ça comme pouvoir civil et pouvoir religieux. Maintenant, nous avons besoin de lui-même pour ne pas répéter ça, sans que puis il y ait l'autre interprétation. Ou dis-moi, ce n'est pas pour moi tout, ou quelque autre monde. Alors, ça me l'a expliqué là. Moi, je dis, là, on a expliqué, après chapitre 6, nous avons une interprétation qui est un petit crasse différent. Mais là, on a expliqué, après chapitre 20, nous avons expliqué comme une combinaison. Nous avons expliqué comme une combinaison. Après chapitre 6, nous avons une petite explication qui est différente. Et lorsqu'il dit la mort, et c'est après chapitre 6, verset, écoutez mieux. C'est verset 8, pas vrai? Ok. Il dit comme ça, après chapitre 6, verset 8, il dit, regardez, et voici paré un cheval d'une couleur pâle. Il dit, celui qui le montait, se nommait la mort. Et le sou des morts l'accompagne. Bon? Donc, et nous toujours. Alors là, c'est là. Nous interprétons comme système papauté qui monte cheval là. Et puis l'église catholique, c'est le séjour des morts. Vous bon? Donc, mais dans Apocalypse chapitre 20, nous faisons une combinaison. Même j'en ai dit, les avancés et nous dit nom des impies, il n'y a pas de résurrection. Mais les pasteurs, ni pasteur Nick, ni pasteur Saldus, les ont expliqué la résurrection, ils font combinaison avec la mer ici. Ils font combinaison entre le monde inconverti et avec l'église catholique. Ils ont combiné dans celle. Donc c'est ça qui fait moins combiner la mort et le séjour des morts ensemble pour le système protestantiste là. Non, mais vous comprenez ça, me dire, oui. Mais façon dont tu apprends, alors, pratiquement, nous on sait pas plusieurs mètres. Façon dont tu apprends, c'est que dans la mer, et le séjour des morts, et la, alors, la mer, la mort, et le séjour des morts. Nous apprenons, par exemple, qu'un monde qui recevra le baptême du Saint-Esprit et puis chité aller dans le monde. Bien, c'est, nous avons appris que nous tous recevra le baptême du Saint-Esprit aller dans le côté de sang. Le monde savait déjà recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, de sorte que nous avons enseigné que le séjour des morts pour remettre au Sahara,
moun sa yo te deja recevra le baptême du Saint-Esprit kal la kayo. Ce n'est pas des moun qui recevra le baptême du Saint-Esprit kal kache nan catholique, kal kache nan protestant. Donc nous te enseye que le séjour des morts, la mort, va remettre moun sa yo pour yal jige. Parce que yo te tende la vérité, yo te recevra le baptême du Saint-Esprit. Donc, système ça a gain pour remettre moun sa. C'est ça que nous regardons Apocalypse chapitre 16. Ok, est-ce que nous sommes d'accord avec l'explication, pasteur? Non, m'appelez ça, qui t'aime fini. C'est une belle explication, pasteur. Non, t'as l'air. Une belle explication, pasteur Roger Baila. Donc, nous sommes d'accord avec ça, le dire. Et ils avaient dit, nous gagnons dans l'explication, m'a dit tout le bagage. Ok. Nous lisons Apocalypse chapitre 16. Le verset 13, il dit, j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Nous avons trois systèmes, ça, et qui forment les corps de la bête. Donc, ni la mer, ni le séjour des morts, ni la mort, ils conservent. Parce qu'il a servi avec esprit impie. C'est ça que fait dans Apocalypse. Apocalypse. Alors, la mort et les choses des morts qui sont celles. Bon, oui, ils font celles. Mm-hmm. Et ensuite, c'est ça que nous jouons dans Apocalypse 13, le verset 18. Nous jouons 3, 36. Donc, c'est ça que formé pour mettre là le pouvoir civil entre là-dedans aussi. Parce que. Donc, il faut que les pouvoirs civils et remettent autorité à la bête. C'est ça que nous avons les trois esprits impies, les trois puissances et qui forment les corps de la bête. Nous allons combiner ensemble. Ensemble. C'est ça que l'Apocalypse 19, verset 20, il montre qui place. Nous l'Apocalypse 19, verset 20. Ok, merci. Corinthiens 15, 46, 47 là. Ok, on tourne back dans Corinthiens 15. 47, pas vrai? 1 Corinthiens 15, 46. 47. Ok, 1 Corinthiens 15, 47. Faisons le 45 là pour mieux comprendre 47 là. Et dans 45 là, Paul dit, c'est pourquoi? Alors, c'est là la bestie qui est résurrection. Quand il est là, il disait pour raison ça. La montrer qui côté nomme l'humanité perdue et qui côté nomme l'humanité joigne opportunité pour le revivre encore. C'est ça qui fait dans le verset 45 là. Il dit c'est pourquoi il est décrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante, sous son âme vivante, au sujet à la mort. L'âme d'Adam, pendant sous ça, qui te fait déclarer sous ça pour nous. Il y a un ministre encore qui fait des déclarations, un peu de fois qui ont type casse embarrassant. Donc il y a un peu de bagaille. Et quand le ministre a posé une question, il me dit comme ça, il me dit encore, il y a deux sortes de professeurs. Il y a un professeur qui va nous en gros, il y a un autre professeur qui va nous en détail. Il me dit, il y a des fois, un professeur qui va nous en gros, l'aile de bagaille, ça le dit, ce n'est pas ça le dit. Ça le dit à cacher, des ça le dit. Il faut avoir un professeur en détail qui va détailler ça le dit. Ou même pour comprendre. Donc, gagnons une déclaration en pile fois. Même ça, ici, je suis de 24, c'est ici, je développé, le ministère me développé dans le corps. Donc, je ne suis pas l'église ici, seulement un helper, je connais donc un pasteur, un ancien, je deviens assistant pasteur. Donc, mais c'est ici, et là, je m'apprends, c'est en bas, ministère, ancien, je m'apprends, mais ça, corps. Avec Pasteur Nick. Donc,
gen l'on ministre fait déclaration dans Koa, il dit Adam te créé un homme parfait. En pile moun mal interprété ça qui dit. Donc oui, en pile moun mal interprété ça qui dit. Bon? Donc Adam te créé un homme parfait, ça pas veut dire Adam te atteindre la perfection. Non. Le mot parfait ici seulement veut dire complet. Bien des fois parfait veut dire complet. Donc ça veut dire quand les nous en réunion et puis comme ministre pose question ça, personne va répondre. Dans réunion américain, dit comme ça, est-ce que Adam te gagné? Alors en anglais il le ça et comment il le l'embrique encore Billy Barham. Et est-ce que Adam te gagné Billy Barham? Et puis tout le monde garde silence. Yes. L'embrique Adam pas coupé. Ça lui dit est-ce que Adam te gagné l'embrique qui te coupé? Non, bon Dieu pas coupé l'embrique Adam. Adam pas fait un petit monde pour le développer, pour le grandir. C'est ça, ça veut dire, Adam créé un être parfait. Li fait complet. Vous comprenez? Li fait un homme complet. Vous comprenez? C'est ça, ça veut dire, li te créé parfait. S'il te gagne perfection, que nous, même à chercher gagne, li pas ta péché. Lorsqu'il atteint perfection, ou pas ta péché encore. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas même perfection. Perfection, ça, il dit Adam te créé parfait, ça veut dire Adam te créé un homme complet. Oui. Ça pour capable tendre, ça cap dit là. Parce que vous avez un droit là, vous ne pas comprendre. Parce que Gassi dit pour me dire non. Alors, il y a une interprétation biblique dans quoi qui m'a dit explication. Le ministre dit Adam te créé un homme parfait. Li pa vle di perfection que nous li nan Ephésiens chapitre 4 là que nous gagne pour nous atteindre là c'est li Adam te gagne. Li seulement vle di Adam te fait yon homme complet. C'est pas même avec nous-mêmes qui créons ti moun et puis qu'on y a pour nous développer. Nous prenons temps pour nous développer dans ventre maman nous après ça nous prenons temps pour nous développer sur la terre. C'est pas ça. Dieu seulement déclaré Adam prendre naissance. Donc, que vous dites, il était fait de la boue, et en effet, sa Bible a dit, il était fait de la boue, après ça, il soufflé dans la rini, il est devenu. Il a dit, Adam fait un homme complet. Adam, pardon, Timoun. Adam fait un homme complet. Ok, on ne tourne pas côté de. Pasteur Bousma, qui te tourne la question, Pasteur Bousma, là, sur 1 Corinthiens 15, verset 47, là, alors, je vais dire 45, là, il dit comme ça, alors, ces questions que je vais faire venir Adam. Il dit Adam est devenu une âme vivante. Lorsqu'on âme vivante, ou sujet à la mort. Mais on l'esprit vivifiant, il n'est pas mort. Et ça fait Jésus, comme deuxième Adam, lui revêtit d'un esprit vivifiant. Il n'y a pas la mort. Donc Adam est sujet à la mort. Il n'y a pas parfait comme si il atteint perfection. C'est seulement l'idée en personne complète. Verset 46. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le mot animal, ici, traduit comme naturel, ou bien chanel, c'est même mot. Chanel, animal, naturel. Donc, il dit, ça qui est spirituel, là, ça veut dire Jésus lui-même dit qu'il y a une substance. La vie éternelle dans l'âme, il n'est pas sujet à la mort, l'elle est dans le troisième ciel. C'est l'elle devine sous la terre, il est sujet à la mort. L'elle est créé dans le troisième ciel, il est créé tant qu'aux anges, il n'est pas sujet à aucun mal pour arriver à lui-même. Ok?
Kounye la, Paul dit comme ça, ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ça veut dire ça qui est normal là, ça qui est naturel là. Et puis dit, ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47, c'est la passage des besoins. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. En parlant de Jésus et Adam. Et ça fait Jésus vinrele Adam. Parce que lui, c'est papa de tout et nouveau, comment on dit ça? Nouvelle créature. Vous comprenez? Toute nouvelle créature, Jésus vient papa. Jésus vient papa. Nouvelle créature. Jésus dit Nicodème, c'est un homme dit, né de nouveau. Oui, Jésus est papa nom qui né de nouveau. Yo. C'est Jésus papa nom ça. Yo. Et si on a besoin d'écriture sur ça, on est capable de lire Malachi. C'est Malachi 4 qui dit ça, il dit le Père. C'est Malachi 2. En effet, nous habituons avec l'écriture, ça y est, dans Esaïe, il me décide de l'aller à Esaïe 5, il dit comme ça, comment on dit, elle enfantera? Non, non, 9, 5, là, il dit comme ça, comment on dit? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Il a parlé de Jésus. Et puis il dit comme ça, on l'appellera admirable. Ça, c'est toute nature que Jésus possédait. Donc, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel. On l'appellera Prince de la paix. Donc, Jésus, c'est papa la vie éternelle, non. Il est papa nom, non. Donc, dans Malachi 2, il dit. Comment il dit? Et pas côté dit pour créer mon nom, non? Côté dit comme ça, il enverra. Il viendra avec la puissance d'Eli. Check qui verset ça, mon Malachi. Il viendra avec la puissance d'Eli. Qui demande le Malachi? Est-ce que c'est Malachi? Pardon? Isaïe 53, 10. Yeah, il dit comme ça. Yeah, après avoir livré la vie en sacrifice, il verra une postérité prolongée ce jour. Ça c'est ça accompli au jour de la Pentecôte. Yeah. Donc, et Malachi, il dit un autre qui est plus clair. Malachi 4, merci. C'est l'île pour moi, c'est le monde qui vient. Comment on dit? Je vais le perdre la donne. Pardon? Malachi dit, le Seigneur dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ça sont prophéties concernant Jésus. C'est pas en pile fois dans la Bible, il a utilisé le mot l'Éternel, il a parlé de Dieu le Père, il a parlé de Jésus. Avant que le jour de l'Éternel arrive, on prend la parler de Jésus qui a fait apparition sur planète ça. Il dit, ce jour grand et redoutable. Attendez ça, il dit, la voyait Élie avant que le jour de l'Éternel arrive. Élie, ça, c'était Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste. Dieu voyait d'abord. Mais pour ça, le voyait. Continuez. Reprenez encore. Voici, je vous ai non, l'autre phrase là, avant. Il ramènera le cœur des pères à l'enfant. Élie va ramener le cœur des pères à les enfants, hein? Et le cœur des enfants à les pères. Donc ça veut dire, Jean-Baptiste est venu pour ramener le cœur des juifs à Christ. Pour te connecter ensemble. Et ça fait, je crois que c'est Luc qui dit comme ça, il est venu en tracteur pour le craser. Mon yo la guerre nan fossé yo et puis pour font route pour le Seigneur ça en parlant de Jésus il a préparé cœur juif yo pour Jésus et ça veut Jésus dit disciple ça yo disciple te pose question ça à Jésus donc ou pas ka bay parce que Jésus même dit ça les des jeunes li dit ou pas ka bay juif menti parce que la Bible c'est histoire
d'Haïti. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas vivre la menti. Donc, vous vivez, les disciples viennent contre Jésus, ils disent Jésus, bon, et pas ça. Ça a été fait après la transfiguration sur la montagne. Ils viennent poser des questions à Jésus. Ils disent Jésus, bon, nous croyons que vous êtes le Fils de Dieu. Nous croyons que vous êtes le Messie. Mais la Bible a dit, avant le Messie en venir, il faut Élie. Ta vine avant. Si vous pensez de ça. Ça veut dire, si c'est le Messie, il faut Élie ta vine avant. Jésus dit oui, Élie est venu. Il a traité Jean Ovelé, il a tué lui. Et puis la Bible dit comme ça, les disciples alors viennent comprendre que Jean-Baptiste, c'est lui-même qui était Élie, qui était doué. Venir. Parce que nous dit comme ça, c'est pas Élie, mais dans l'Ancien Testament, dit comme ça, il viendra avec la puissance d'Élie. Donc, les Jean-Baptiste venir, Jean-Baptiste restaurer l'autel de l'Éternel qui a été brisé par le sacerdoce lévitique, chité. Donc, et ça fait, parce que nous dit comme ça, les Jean-Baptiste venir, il n'est pas habillé, mais les pharisiens. Li pa manje sa yo manje. Li gen abiman pali, li manje aliman pali. Jean-Baptiste, parce que li te vini comme Élie après 3 ans et demi de famine qu'on a vini pour restaurer l'autel de l'Éternel. C'est lui qui dit comment pour couper bœuf là. C'est lui qui dit comment pour placer sur l'autel là. C'est lui qui dit mezi Christ l'eau pour mettre. Mesure de semence pour y mettre. C'est lui qui explique. Après ça, leur fin, toute bagaille fin en ordre. C'est là ça, prier l'Éternel. Puisque l'ordre divin est établi, le Seigneur vous édifie ciel. En attendant l'ordre divin, ça va bien, amen. Alléluia. Amen. Amen. Puisque l'ordre divin est établi, le ciel descend et puis consumé. Holocauste là. Ou dit Jésus pate, est-ce qu'on croit que Jésus gon portion homme nan li ou bien il était venu il était resté tout parfait, est-ce que s'il était parfait ou t'a pas tué ou t'es dit il pas de jambe homme? Oh, et ça dit oui, repasser sorti. Non, moi dit pas gon généalogie d'homme. Généalogie, tout le monde sorti dans papa. Yo. Non, ça fait pas ça, qu'on dit l'âme vient du Père. Non, il n'y a pas papa sur la terre. Non, Jésus n'y a pas papa sur la terre. Papa directement dans le ciel. Ça fait pas de généalogie. Oui. Non, Joseph, c'est Père nourricier. C'est Père nourricier, mais ce n'est pas. C'est pas papa naturel. Vous comprenez ça, oui, mais nous sortis dans l'église catholique. Nous venons traverser dans le protestant pour nous y aller à nous encore. Et c'est ça que je me dis, là nous avons dit qu'on va aller à peuple, il faut nous prendre précaution à ça que dit. Pour nous clair avec yo. Lord dit Jésus pas de jambe gagne un père sur la terre. Pas de grand monde qui était responsable pour lui. Non, et pas ça. Non, on a parlé de nomme ni. Pas de grand monde qui n'a parlé de. Non, nous connaît nomme ni. Nous connaît Jésus pas de saute de Joseph. Oui. Mais tout le monde connaît que Jésus était grand père. Oui. Père adoptif sur la terre. Oui, le grand père adoptif. Donc Jésus, si Jésus était parfait depuis dans le ciel, la terre était tout parfait, il pas comment il fait tuer? Non, il pas parfait, non. Il dit, il apprend l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Okay? Donc il prend un corps, même avec nous dans Marie, et puis qu'on a
comme ça, il était sujet à péché. Pardon? Oh. Parce que c'est comme ça, il était sujet à péché. Une question que je vais me poser entre vieil homme ou bien mauvaise nature, qui est Jésus de gagner entre deux? Jésus de gagner la nature et pécheresse, mais Jésus pas gagner un homme qui était mort. Paul, ça fait Paul expliquait ça dans Romains chapitre 6 là. Alors. Paul dit, là nous recevons le baptême. Alors qui me dit ça? Parce que si je dis nous sommes sûrs que tout le Seigneur comprend ça. Ça n'a pas discuté, n'a pas essayé d'expliquer Jésus. Oui, il y a des gens qui croient que Jésus c'était petit bon Dieu seulement, comme s'il saute dans le ciel tout parfait. Non. Jean dit comme ça, si vous ne pas croire que Jésus devient en chair, ou bien l'esprit de l'antéchrist. Sous pas quoi que Jésus de sujet à péché ou bien l'esprit de l'antéchrist dans nous-mêmes. Donc, nom Jésus te sorti de papal du troisième ciel. Il n'y a pas besoin de nom ni né de nouveau. Mais nom ni ta vivre dans un corps qui te sujet à péché. Quoi pas de péché, non? Quoi pas de péché là-dedans? Vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez comprendre ça? Il y a une différence entre un corps qui a péché là-dedans avec un corps qui sujet à péché. Jésus est un corps qui sujet à péché. Même Jean, l'homme de Dieu, bon Dieu, commence à travailler dans nous-mêmes. Ou vit plus haut que péché. Vous ne pouvez pas péché dans la vie. Mais toujours sujet à péché. Parce que pourquoi on dit même avec l'apôtre Paul, mais j'ai gardé la foi. Désormais, comment on dit, j'essaie déjà de libation. Le moment de mon départ est arrivé. Donc, pourquoi arriver dans le degré ça? Moi, je dois vivre plus que péché. Je dois vivre ou pas péché. Moi, toujours si j'ai à péché. Oui, la nature du péché pour qu'on finisse mourir dans nous-mêmes. Parce que, ou bien doit, au niveau arrivé, la nature du péché n'a pas trop accès à vie. On prend? Mais, si vous faites négligence, les cas couvrent, parce que, parce que toujours dit, nous, c'est un petit monde comme nous, son grand monde. Donc, disons que c'est plus facile pour qu'on nous fait nous péché parce que nous avons un petit homme qui a grandi dans un gros corps Adam. Son gros Adam. Nous avons un Jésus qui a vécu dans un gros Adam. Donc, c'est pour nous veiller de temps en temps pour ne pas la guébali, pour ne pas être fiel. Si Jésus qui nous a alors, pasteur. Mais. Ok. Alors, je vais expliquer verset 47 là. Vous satisfait, oui? Oh, merci. Ok. Je suis dans 47, pas vrai? Oui. Je vais expliquer ça. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est du ciel. Donc, Adam, il était terrestre, tandis que Jésus, il était céleste. Donc, expliquer ça dans l'esprit vivifiant là, avec différence entre l'esprit vivifiant là, avec une âme vivante. Adam était une âme vivante, il était sujet à la mort, tandis que Jésus était l'esprit vivifiant qui n'est pas capable de pécher. Bon? Donc, Paul dit comme ça dans verset 48 là, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres et telles sont les célestes, elles sont aussi les célestes. Nous trouvons une petite correction dans le verset ça. Il y a un langage biblique qui ne veut pas dire ça, le dire. Que c'est en français, que c'est en anglais. Il a utilisé le terme pour mieux comprendre, mais un peu de fois, il crée confusion. Parce que ça qui dit, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Oui! Il dit tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Ça veut dire Jean, Adam et Ève, c'est comme ça, nous-mêmes, tout,
qui petit d'Adam nous y est. Mais dit tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ouais, les, mais les nous nés de nouveau, nous beaucoup tant que Jésus. Son entraînement lié. A vrai passé Rassis? Ok. Et pas ça? C'est un entraînement. C'est un entraînement lié pour venir tant que Jésus. Ça, c'est ça qui c'est ça qui crée problème avec le monde religieux. Oui. Non. Oui. Non, le monde qui mal comprend, puisqu'elle dit tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tels sont les célestes, tels sont aussi les célestes, il n'y a pas de processus là. Il n'y a pas de processus là. Et même Jean avec Jean 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les pasteurs expliquent ça en face moi. Devenir enfant de Dieu. Donc, je ne comprends pas comme ça. Obon, les pasteurs expliquent ça. Son processus pour devenir enfant de Dieu. Ou né de nouveau, mon beaucoup vraiment enfant de Dieu. Jean dit comme ça, nous sommes enfants de Dieu, oui. Mais ça, nous devons y aller pour qu'on arrive. Son entraînement lié, son processus lié. M'a fini répéter, pasteur, m'a fini avec pasteur Brice pour nous. Verset 49, pasteur. Yeah. Alors, pasteur Brice, c'est là qu'il y a une correction qu'on a besoin de faire l'appli. Donc, ça le dit, il pas littéralement. Verset 48, là. Ou pas automatiquement, même avec Jésus, l'on est de nouveau. Les prend un processus. Yeah. Premier micro pour vous attendre. Même micro. Parlez de micro pour tout le monde. Nous faisons référence à corps céleste comme monde qui a recevoir corps angélique. Et puis corps terrestre comme monde qui va vivre dans la nouvelle terre. Oui, alors, verset précédent, yo, c'est ça qui fait référence. Mais lorsque il a parlé là, il m'a montré. Processus. Paul a référé comment la mort est rentrée dans le monde. Yeah. Il est rentré à un premier homme qui était Adam. Mais qu'on a expliqué, le premier Adam, il n'est pas spirituel lui-même. Donc, ils sont Adam naturel. Qui était sujet à péché, mais le deuxième Adam lui-même était spirituel. Donc ça dit que dans 1 Corinthiens 15, tout verset sur tout lieu, il y a un côté là-dedans qui fait référence à l'épouse qui va recevoir corps angélique. Oui. Et à monde qui va vivre dans la nouvelle terre qui va recevoir un corps glorifié. Oui. C'est ça? Oui, ça pour l'expliquer okay. Dans le verset précédent. Maintenant, et juif eux-mêmes, 12 000 de chaque tribu qui corps, non, qui. Okay. 144 000 juifs. Merci. Son belle question liée. Les 144 000 juifs restaurés qui va marquer 10 sauts. Il a traversé Amagédon. Il a rentré dans le règne millénaire. Il y aura des officiels qui va travailler sous direction de l'épouse. Il y a même même Koyoa, le Seigneur a régénéré. David dit comme ça, que l'Éternel a fait nous rajeunir comme l'aigle. Dieu a un pouvoir pour le faire ça. Regardez que il y a trois corps. Corps céleste, amen. Corps angélique, corps glorifié et corps régénéré. Non. Il y a un corps terrestre, il y a corps céleste. Et ça, Paul dit. Oui. Il y a un corps céleste, il y a corps terrestre. Il y a prêté avec un corps terrestre. Il y a prêté avec un corps. Il y a prêté avec un corps terrestre là. Corps païwa, les papes. Ça veut dire qu'il n'y a pas parlé de grand monde pendant 1000 ans. Et pas eux-mêmes seulement. Tout le monde, tous les survivants d'Amagédon, qui étaient fidèles, qui n'ont pas pris un mac de la bête, là, ils ont traversé, mais quand ils ont 80 ans, le règne millénaire a commencé, ils ont traversé tout 1000 ans. Distance pour 1000 ans, fini, ils ont gagné 1000 ans, 80 ans. Oh, yeah. Et puis, wap toujours pasteur, jeune, n'a pas physique. Pasteur, alors, c'est pas une question, mais encore, nous commençons à dire, oui, quand ça me coule tout, et vous avez essayé. Mais là, je regarde moi l'heure, je me suis dit, pasteur, mais elle commence à 8h30, 9h, et puis, pour le faire 2h30.
Il fait tout le monde camper, détirer corps, et puis il dit deuxième mi-temps. Donc, tout bien aimé, font-y camper, détirer corps, nous, et puis nous allons voir deuxième mi-temps. Ah, mais quand fait, détirer corps, nous. Parce que Nick, on fait ça, il dit deuxième. Et puis deuxième mi-temps. Thank you, Lord. Hallelujah. Aki te puissance pour nous. Ok, nous merci d'avoir. Ok. Et. Mes questions, on a passé encore. Tant bien aimé, oui. Écoute, c'est pour apprendre. Non, tant bien aimé, il a fait trois bouillons. Ok. Ok. On nous fait silence parce que Roger, j'ai une question. On nous prend une question parce que Roger. Donc, comme on dit, Jésus n'a pas de généalogie. Et l'homme de la Bible, il n'a pas de généalogie de papa, mais il semble de gain de maman. De Marie, parce que dans Matthieu chapitre 1er. Si nous te connaissons Matthieu 1er, si vous nous connaissons Jésus. Ah, mais non, mais. Ah, mais non, mais attendez. C'est ça qui m'a posé la question. Et est-ce que Jésus, généalogie ça, est-ce que c'est des maris? Ok, on nous fait silence, bien aimé. Comprenez bien, il ne doit pas. On nous fait silence. Comprenez bien, il ne doit pas de gain. Il est père, papa, lui. Maintenant, Matthieu chapitre 1er, dans verset 1er, il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Par conséquent, il ne doit pas dire père. Je dis qu'il ne doit pas dire généalogie à dire père. Mais au moins, il doit dire aider Marie. Parce que Jésus n'a pas présenté tête comme le fils de Dieu. Il était toujours présenté tête comme le fils de l'homme. C'est ça que fait dans Matthieu chapitre 16. Jésus t'a posé disciples aux questions. Et qui monde? Il dit, moyen. Et il y a qui dit, c'est Jean-Baptiste, il y a qui dit, c'est Élie, c'est un prophète. Et Jésus fait mention, il dit, et nous-mêmes, qui est-ce nous dit, moyen. C'est pas de gens présenter tête comme le fils de Dieu, il était présenté tête comme le fils de l'homme. Et puis, Pierre dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il semblait que Jésus disait, ce n'est pas la chair et les sang qui t'ont révélé, c'est là. Donc ça veut dire que les noms de Matthieu, chapitre 1er, nous réalisons que Jésus était comme une généalogie. Donc il ne doit pas dire père. Il ne doit pas dire père. Alors, m'ba... Non, mais alors, mais ça me dit ma. Alors, et ça, parce que Roger, le passé n'est qu'à penser, il dit comme ça, l'âme de tout être vient du Père. Donc, non, si je vous dis, mais ça, raison de faire, qui est assemblée en face de moi, raison de faire, les filles enceintes, les font un monde, même si l'assemblée à papa, ils dit ça papa, l'assemblée. Parce que originellement, petit là, sorti de papal. Oui, c'est ça que fait le ministère qu'on a pensé. Il a dit comme ça, non, mon sorti dans papal. Non, ça veut dire existence. L'existence de l'enfant vient de son père. Donc, puisque Jésus lui-même, il a un papa sur la terre qui bat l'existence. Donc, l'existence de Jésus sortit de papal dans le troisième ciel. Bien. Bon? Donc, on y a là, pour yon israélite, gen généalogie, ou doit gen à travers papa. Ou. C'est ça que fait, non? C'est ça que fait. Le Paul a expliqué, Melchizedek, il prend un portrait de Jésus pour l'expliquer. Donc, il y a un peu de monde qui mal comprend, il comprend.